Nous voulons terminer calmement cette rencontre afin que ceux qui prient encore puissent continuer de le faire. J'aimerais vous faire quelques annonces. Tout d'abord, nous vous remercions pour les parents d'aller chercher rapidement vos enfants. Nous vous remercions aussi de quitter cette salle après le culte afin que nous puissions préparer la rencontre de l'après-midi, faire les prises de son et ce qu'il y a à faire. On avait prévu ça. C'est un petit scoop pour vous. Hein. Dans le comité, un des membres du comité avait proposé qu'on fasse un don du sang aujourd'hui. Comme signe que Jésus-Christ a donné son sang pour nous et que nous pouvions aussi faire ce geste symbolique de donner notre sang. Nous avions pris contact avec les Samaritains, avec la Croix-Rouge. Ça devait jouer et tout d'un coup, ils nous ont dit qu'il manquait d'effectifs, qu'ils ne pourraient pas être là. Mais que si ça nous intéressait, il y avait une date la semaine prochaine à Payerne. Donc si vous voulez donner votre sang, vous pouvez revenir la semaine prochaine. Mais cet après-midi, nous ferons des prises de son. Voilà, le temps jusqu'à notre prochaine rencontre. Je vous donne rendez-vous à 15h30 pour notre festival où il y aura plein de productions variées. Ça vous laisse beaucoup de temps pour manger, pour sympathiser, pour partager. C'est ce que nous avons souhaité pour vous, que vous soyez tranquilles entre les deux réunions pour passer du temps ensemble. Il y a tout un village de stands que nous vous invitons à visiter. Et puis, nous vous serions vraiment très reconnaissants de faire attention à vos déchets, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Nous avons mis des sacs à poubelle pour les ordures, nous avons mis des sacs pour le PET. Alors merci de bien vouloir trier et de ne rien laisser traîner. Si vous avez beaucoup de temps entre les deux réunions, il n'en est pas de la même chose pour la générale et pour les chefs, puisque à 14h, elle rencontre les responsables des autres églises, des autres dénominations chrétiennes du canton et de Suisse romande. Alors, vous pouvez aussi prier pour cette rencontre, mais ça veut dire que cela lui laisse peu de temps pour manger. Nous vous serions donc reconnaissants de ne pas l'accaparer à la fin de cette rencontre. Elle aura plus de temps après la deuxième rencontre. Merci beaucoup. Et je vous invite à chanter encore un chant où nous voulons vraiment rendre toute la gloire à notre Dieu en chantant à l'agneau sur son trône, « Apportons la couronne ». Il l'a conquise sur la croix. Il est le roi des rois. Nous chantons les deux premières strophes de ce cantique. S'éteindront sur la terre, où renaîtront comme jadis les fleurs du paradis. Je vous invite à chanter la quatrième strophe. À l'agneau tous les droits.
bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Nous allons encore entendre un postlude de la fanfare. Je vous annonce aussi que le Josué Bras jouera devant la COP qui est juste tout près ici en direction de la gare. Donc si vous avez envie de les entendre jouer, vous pouvez aussi aller là-bas, ils joueront à 14h. Et puis nous avons aussi une petite scène derrière vers le village de Stan où différents groupes se produiront aussi entre les deux rencontres. Alors n'hésitez pas à aller écouter la fanfare, à aller écouter les groupes qui se produiront sur la petite scène. Nous écoutons encore le postlude de la fanfare. Ah.